Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une vidéo un petit peu spéciale en ce dimanche soir puisque nous allons vous dévoiler la deuxième version de Naughty Dog Mag. Naughty Dog Mag est une communauté qui a été lancée le 6 janvier 2019. On vient de fêter nos 3 ans et déjà, l'aventure est déjà incroyable grâce à vous qui nous soutenez tous les jours et qui continuez à partager nos articles, nos vidéos. Alors merci beaucoup. Et on vous a dit que nous allons vraiment faire de cette année 2022 une grande année. Vous avez vu la couverture autour du film Uncharted qu'on a pu voir en avant-première, notre critique en avant-première, la conférence de presse avec Tom Holland et l'équipe du film Uncharted. On vous a fait le test en avant-première d'Uncharted The Legacy of Thieves sur PS5. En 2020, le test de The Last of Us Partie 2 était aussi sorti. On va multiplier les avant-premières, les contenus exclusifs. On va lancer bientôt nos lives. Il y aura des interviews. Je n'en dis pas plus de personnes qui sont relativement proches de Naughty Dog et des projets Naughty Dog. Bref, plein de choses. Et ce soir, pour fêter un peu nos 3 ans et lancer comme il se doit cette année 2022 qui risque d'être particulièrement intense autour de Naughty Dog, que ce soit des jeux mais aussi des productions diverses et variées comme le film Uncharted ou la série The Last of Us, eh ben on va vous dévoiler cette V2 de Naughty Dog Mag qui est très importante puisque le confort des articles et des vidéos et du contenu passe aussi par la beauté de notre site. Donc cette semaine, si vous avez visité un peu Naughty Dog Mag tous les soirs, vous avez pu voir tomber sur cette page. Le site Naughty Dog Mag est en maintenance, nous préparons quelques petites surprises, restez bien connectés. Et depuis cet après-midi, si vous y allez, et même si vous y allez maintenant, alors pendant le live forcément, si vous allez après le live, il risque de ne plus y avoir cette page-là parce qu'il risque d'y avoir des choses qui vont se dérouler dans la prochaine heure. Mais regardez, vous avez cette page-là, Naughty Dog Mag V2, et ben parce que voilà, tout au long de la semaine, la V2 a été en cours de déploiement. Cela fait déjà pas mal de temps qu'on y bosse dessus et là c'est vraiment toute cette semaine qu'elle a été en cours de déploiement et toute la journée il y a eu des tests puisque oui, à la fin de ce live, la V2 sera lancée. Mais qu'est-ce qui nous attend dans cette V2 ? Bon, regardez, déjà Naughty Dog Mag c'est ça, hein, si vous vous souvenez bien. Regardez, voilà la page principale avec ce petit slider en haut, les jeux Naughty Dog sur le côté, les dernières news, puis les news autour du film Uncharted, de la série The Last of Us, de The Last of Us Partie 2, les news du site, les news autour de Naughty Dog et les dernières rumeurs. Ça, c'était la page principale. Voici la nouvelle page principale de Naughty Dog Mag qui donc se modernise complètement. Alors, on va faire un petit zoom. Alors, forcément, si vous êtes des habitués de Rockstar Mag, ça va vous rappeler grand-chose puisque la V3 de Rockstar Mag et la V2 de Naughty Dog Mag sont les mêmes. Pourquoi ? Par un souci d'identité, comme c'est un peu les sites que je gère, que j'ai créé, c'est un souci d'identité de savoir, on est vraiment sur les mêmes networks. Et puis surtout, la V3 de Rockstar Mag est tellement optimisée, top, fluide et belle que je me suis dit que ce sera idéal sur Naughty Dog Mag. Donc on se retrouve directement avec les 3 top news qu'il ne fallait pas rater. Puis on a les dernières news, les derniers jeux Naughty Dog, nos documentaires, puisque sur Naughty Dog Mag également il y a des documentaires avec les dernières rumeurs, l'histoire de Naughty Dog, puisque contrairement à Rockstar il n'y a pas plusieurs studios, mais il y a une grande histoire, puisque Naughty Dog en a à 38 ans, ils fêteront leurs 40 ans en 2024, vous allez pouvoir découvrir 40 ans d'histoire, les dernières news autour d'Uncharted Legacy of Thieves, les dernières news autour de The Last of Us Partie 2, les dernières news autour de Naughty Dog, les projets PlayStation Productions, les dernières news autour du film Uncharted, les dernières news autour de The Last of Us, la série HBO, et les dernières news de Naughty Dog Mag. Donc voilà cette nouvelle page d'accueil, mais ce n'est pas les seuls changements, puisque avant, regardez, la page jeu, qui va être un récapitulatif de tous les jeux Naughty Dog, sortis à ce jour entre 1984 et 2022, et ben elle aussi, elle va un petit peu changer. Alors là, forcément, il n'y a pas de grand changement, mais un petit coup de neuf, voilà, qui est toujours là, on passe à 6 jeux par colonne, vous pouvez retrouver donc tous les jeux Naughty Dog. Nous avons encore du changement, encore regardez, parce que justement, ces pages, chaque page jeu avait droit à sa fiche personnelle, on va dire. Regardez cet exemple avec CTR, ça c'était la fiche CTR avant où on avait les informations sur la sortie du jeu, les trailers, un petit résumé avec les screenshots, les dernières news, le score métacritique et les autres jeux de l'univers
Crash Bandicoot, et bah les fiches jeux maintenant sur Naughty Dog Mag, elles ressemblent à cela. Regardez comment cela fait plaisir. On va comparer aussi avec CTR. Vous avez toujours donc les informations autour de CTR, la date de sortie sur tous les supports. Maintenant, le trailer avec un lien vers toutes les autres vidéos, les dernières news, le score métacritique, le petit résumé. Et donc en fin de page, nous avons également donc tous les jeux de la licence Crash Bandicoot. Un autre exemple avec The Last of Us Partie 2, regardez, voilà, c'était ça avant The Last of Us Partie 2. Donc toujours pareil, les informations, les vidéos, la présentation, les screenshots, les dernières news, le score métacritique et les jeux de la licence The Last of Us. Et ben maintenant, c'est ça. Franchement, je suis très fier de ce visuel qui pour moi est vraiment très 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 joli et j'espère que cela vous plaira à vous également. On passe à la page films et séries puisque bien entendu cela va rythmer l'actualité de Naughty Dog dans les prochains mois. On a le film Uncharted qui avait été annoncé en 2008 et qui vient de sortir. La série The Last of Us qui a été annoncée en mars 2020 et qui arrivera en 2023. Et le film Jack and Dexter qui, voilà, on le sait qui va arriver avec un Uncharted 2. Donc les films et les séries vont arriver. Ça, c'était ce que l'on pouvait voir avant sur Naughty Dog Mag. La petite transformation, pas grand-chose là encore, mais juste, voilà, un peu plus clair, un peu plus joli, comme vous pouvez le voir. Mais on va tout de suite comparer. Regardez, ça, c'était le film Uncharted avant. Donc pareil, c'était similaire aux fiches jeux avec le logo, les informations sur la gauche, avec les trailers sur la droite, le résumé du film Uncharted et le casting, la distribution qui suivait, les premières images, les dernières news, le score métacritique et les autres projets, enfin les autres de la licence Uncharted. Et ben maintenant sur Naughty Dog Mag, cela ressemble à cela. Voilà, toujours pareil avec la date de sortie au cinéma, la date de sortie du DVD, du Blu-ray, puisque c'est déjà en précommande, ça arrivera le 22 juin avec une édition spéciale Steelbook, le trailer avec un lien pour voir toutes les autres vidéos, les dernières news, le score métacritique qui malheureusement ne reflète pas la qualité du film, moi je trouve en tout cas, et je vois que vu les retours qu'on a pour le moment de votre part, vous êtes aussi plutôt comblé. Donc voilà, un résumé du film, notre documentaire bien entendu sur les péripéties de ce film Uncharted et les dernières informations. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment, ça a fait un bon petit coup de jeune qui font plaisir. Et on passe à l'une des pages principales de Naughty Dog Mag, la page Naughty Dog, les 40 ans, enfin 38 ans d'histoire. Regardez, avant c'était comme ça, on avait donc le petit logo, l'histoire de Naughty Dog avec différents onglets sur les différentes sections, les phases de Naughty Dog. Et là vous voyez vraiment, c'était la création, on voit tout le procédé de création de leur premier jeu jusqu'au jeu qui les a un peu lancé avec le dernier jeu avant Crash Bandicoot, Way of the Warrior. Et ben là aussi sur Naughty Dog Mag, on a eu avec cette V2 un gros changement. Regardez, voilà comment c'est. Donc là on a rajouté des sections. On est vraiment sur la création avec Gem Software après les premiers jeux Naughty Dog, puis Crash Bandicoot, Jack and Dexter, Uncharted, The Last of Us et l'avenir. Je vais juste vous montrer la partie The Last of Us. Regardez comment ça a évolué. On a rajouté des petites images, etc. C'est beaucoup plus sympa. Je ne vous spoilerai pas le reste. Vous allez pouvoir bientôt découvrir tout le site par vous-même. Mais j'espère en tout cas que ce premier aperçu vous plaît tout simplement et que vous trouvez cela sympa. On continue puisqu'il y avait la page contact. Donc là encore, on va aller vite fait parce qu'il n'y a pas de gros changements sur cette page contact. Voilà comme elle était avant, voilà comme elle est maintenant, toujours un petit peu plus propre. Nous avions la page staff, c'est un peu la page qui sommes-nous. Regardez cette petite page qui était comme ça, avec forcément une petite résumé de Naughty Dog Mag, qu'est-ce que Naughty Dog Mag, puis tout le strombinoscope de l'équipe, on va dire, avec toutes les personnes qui m'aident à gérer tous les jours Naughty Dog Mag. Et bien regardez, là aussi, il y a un petit changement qui fait plaisir, puisque l'on passe vraiment sur un petit résumé donc de la création jusqu'à la V2 en 2022. Et puis vous allez voir toute l'équipe, mais par ordre, avec les rédacteurs, avec les créateurs de contenu et les traducteurs qui nous aident à traduire les conférences avec les stars américaines ou qui nous aident à traduire les documentaires. Vous allez pouvoir découvrir tout cela avec tous les réseaux sociaux forcément de l'équipe si vous voulez les suivre, et je vous encourage à les suivre. Nous avions
ensuite, eh ben, terminer cette V1 puisque on avait tout cela. Et sur Naughty Dog Mag V2, il y a une nouvelle page qui vient d'arriver. C'est la page boutique. Regardez. Donc c'est une page où on s'était forcé un peu de trouver tous les derniers jeux, les derniers goodies, etc. qu'il y a autour de Naughty Dog. Les films aussi puisque le Blu-ray et le DVD d'Uncharted est en précommande. Et donc il y a uniquement des liens d'affiliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, ça ne change strictement rien. Si le film coûte 20 € chez Amazon, à la Fnac, à Leclerc ou n'importe où et que vous l'achetez sur Naughty Dog Max, ça vous coûtera 20 €. Mais nous, il y a un petit pourcentage qui est revenu pour nous aider à donc financer le site, financer nos projets, etc. Donc tout ce que vous trouverez sur cette page boutique ne vous coûtera pas plus cher, mais nous aidera, vous allez contribuer à financer Naughty Dog Mag. Donc bien entendu, on a recherché des choses un peu rares, comme par exemple les éditions spéciales, les éditions collector de The Last of Us Partie 2 d'Uncharted 4, la PS4 collector d'Uncharted 4, la PS4 collector de Uncharted 4. Il faut savoir que les prix, ce n'est pas nous qui les gérons, hein, c'est vraiment, ça évolue même de semaine en semaine sur les différents sites sur lesquels nous avons trouvé les produits, et bien entendu, on ne garantit pas que le stock seront toujours là. À l'heure actuelle, le stock est disponible. Peut-être que lorsque vous allez y aller, vous, il n'y aura plus de stock. Mais voilà, en tout cas, c'était la présentation de la V2. Et comme je vous le dis, hein, maintenant, on est très fiers et cela va nous aider dans nos projets à avoir un joli site encore plus joli qu'avant. Puisque avant, c'était plutôt sympa, mais ça datait de 3 ans. Maintenant, on est à l'ordre du jour et j'espère vraiment que cela va vous plaire. En tout cas, ben, nous, on va donner rendez-vous très vite sur notre site. Puisque maintenant, si vous y allez là maintenant, le site est ouvert, il n'y a plus la page maintenance. Bienvenue sur la V2 de Naughty Dog Mag et je suis très heureux de vous la présenter. On se dit à très vite, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire également s'il y a des changements à faire ou quoi que ce soit. On l'a annoncé également, l'arrivée très prochainement des vrais ou faux sur Naughty Dog Mag. C'est une série qui est très appréciée sur Rockstar Mag. Elle va arriver sur Naughty Dog Mag dès la semaine prochaine. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire pour donner vos avis, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, eh bien, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous !